les épaules au-dessus du guidon. Ça veut dire que quand on pilote, il va falloir qu'on ait de la mobilité vers l'avant, on va avoir de la mobilité vers l'arrière et de la mobilité sur les côtés, de la mobilité latérale. Si on est bien placé, on peut avoir toute cette mobilité. Si on est mal placé, on est coincé en déséquilibre. C'est important ce que je vous dis là, hein. C'est la base. Hein. C'est pour ça que tu fais déborder par ta moto. Chaque fois que tu accélères, tu es trop en arrière, elle t'échappe. Et chaque fois que tu freines, tu glisses sous le guidon et elle t'échappe au freinage. Donc, position des pieds, leur père, c'est de dire je calme et talon. Je calme et talon, ça permet un autre truc, ça permet de la mobilité fine. Quand on a besoin des commandes, les commandes sont disponibles. Ça évite d'avoir des pilotes qui, au moment du freinage, viennent cogner dans la pédale de frein en soulevant le pied. Les pieds ne doivent pas bouger d'air pose-pied sur le contrôle de la moto. On vient chercher ses commandes juste avec des petites rotations. Ça permet d'avoir toujours un bon équilibre. D'accord? Une moto, quand elle accélère, quand on l'accélère, elle envoie le pilote en arrière. D'accord? Et la moto, elle veut soit patiner, soit faire du wheelie. Donc si je suis bien placé, quand j'accélère, au fur et à mesure où j'accélère, c'est pour ça qu'il ne faut pas vouloir trop d'accélérateur au début, il vaut mieux placer son corps. Si je mets un cran d'accélérateur, je vais mettre un cran avec mon corps. Deux crans d'accélérateur, deux crans avec mon corps. Trois crans, trois crans. Il faut toujours qu'il y ait un équilibre parfait entre ce qu'on fait avec la moto et ce qu'on fait avec son corps. Tous les pilotes qui veulent trop accélérer, alors les petits jeunes un peu comme toi, ah, je vais accélérer, c'est mort. Je suis parti en arrière, c'est mort. Et je loupe le virage, et je loupe le freinage. Donc il faut y aller en douceur. On accélère progressivement et progressivement, on serre son corps. Quand on coupe les gaz, c'est pareil. On a dit freinage, on pousse le corps vers l'arrière pour avoir le contrôle de la roue arrière. On pousse sur le guidon pour appuyer la roue avant au sol. Et au freinage, le corps du pilote, il part en... En avant. Au freinage, il part en avant. Donc on va pousser sur le guidon pour se retenir. Et pas passer par devant. On est bien d'accord? Donc, mobilité avant, accélération, mobilité arrière, freinage. À condition d'être bien placé sur la moto.